toi pour tes droits. Moi j'y crois, car c'est injuste. Tu ne devrais pas être là, mais continue d'espérer. On sait que tu seras libéré. Tu es dans nos pensées, on est à tes côtés. Tu vas t'en sortir, on sait que tu peux. 2005, lors du premier colloque jeunesse Châteauguay et Roussillon. On applaudit, 10 ans! Le thème de cette année, les jeunes, les médias sociaux, les nouvelles technologies, s'est imposé de lui-même. Un nouveau monde s'ouvre à nous, en effet. Il nous faudra nécessairement en tirer les avantages et faire attention aux inconvénients. Ce qu'on peut constater, par contre, déjà, c'est la vitesse grand V avec laquelle tous ces changements arrivent. Bienvenue au 10e colloque des intervenants jeunesse de la région Jardin-Roussillon et bienvenue à l'École de la Magdeleine pour y vivre cet événement. On sait que tu seras libéré. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous lors de ce rendez-vous ce matin et je remercie d'ailleurs le comité organisateur, M. Loisel, pour l'invitation. C'est toujours bien agréable de venir discuter de cette génération-là avec les gens qui travaillent avec eux au quotidien. Génération 6, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce terme-là? Je ne vais pas rater la sortie du nouveau jeu. Tu peux l'acheter demain? Non, parce que je vais être le premier à tweeter que je l'ai eu. Après ça, je vais faire une vidéo sur YouTube pour augmenter mon nombre de likes, parce que de ce temps-ci, ça fait un peu pitié. Tu vas t'en sortir, on sait que tu peux réussir. De cette génération-là possède un ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, à chaque année, vous voyez le pourcentage, 87% qui ont un téléphone, et de plus en plus, ce téléphone-là est intelligent. Quand on a fait l'enquête, 63% des jeunes nous disaient « Oui, je suis d'accord avec cette phrase-là. » Les nouvelles connaissances que j'acquiers par le biais d'Internet sont tout aussi importantes que celles apprises à l'école. Ça chamboule un petit peu le rôle de l'enseignant. Hein, prendre ça, se rendre compte que, bon, OK, le jeune qui va sur Internet, qui va sur Wikipédia ou qui va sur un site moins reconnu encore, considère que les connaissances auxquelles il a accès là sont tout aussi pertinentes que celles que je lui enseigne en avant de ma classe 35 heures par semaine. Donc, ces jeunes-là, de partout, ont accès à une foule de connaissances. Comment on peut, comme adulte, puis il y a les enseignants, mais il y a les parents, il y a les intervenants, comment on peut les guider? Leur donner la parole pour mobiliser les autres. Quoi de mieux qu'un jeune qui est passé par votre organisation pour parler des bénéfices ou des services reçus? Qui de mieux que lui pour en parler aux autres de sa génération? Snapchat, c'est une application que les élèves adorent. C'est une application où tu prends une photo, tu l'envoies à quelqu'un et la photo apparaît 10 secondes et elle disparaît. Ça, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il existe Snap Spy. L'application, c'est fait pour. C'est un logiciel espion de Snapchat. Dodo, c'est vraiment génial. C'est une petite application en ligne encore. J'ai rien installé sur ma machine. C'est pour générer une date de rencontre. La pré-réflexion. Le gars, là, la jeune fille, ne perçoit pas son tabac comme un problème. Il ne veut pas arrêter, lui. Je le dirige vers où? Tu sais, lui, son plus grand exemple dans la vie, c'est Snoop Dogg, puis il fume du pot à tous les jours. Le leader économique est spécifiquement pour le troisième cycle de primaire. Et il y a, c'est beaucoup ses habitudes alimentaires et même aussi au niveau de l'activité physique. Donc, l'intégration, c'est un processus vivant, là, parce qu'on s'intègre à quelque chose qui existe et influencé par le nous. Je juste pour vous donner quand même la bonne information. C'est une partie de son affirmation. Parce que lui, il fait, après qu'il a passé à travers toutes les autres périodes, donc il a enfin résolu son conflit, puis il est fier de ça, puis il a décidé de l'assumer. Je vais vous demander d'écrire sur votre feuille à quoi vous pensez quand que vous entendez le mot colère, conflit et violence. Qu'est-ce qui vous vient comme image dans votre tête? Donnez-moi des exemples. Depuis 35 ans, le CALAX offre différents services aux femmes ayant été victimes d'agressions à caractère sexuel.
Donc, il s'agit d'une enquête de grande envergure qui a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, qui vise à recueillir de l'information sur la santé physique et les habitudes de vie, ainsi que sur la santé mentale et psychosociale des jeunes. Et dans votre territoire, c'est près de la moitié des garçons et des filles qui ont connu un épisode de consommation excessive au cours de l'année précédant l'enquête, des proportions légèrement plus élevées que celles observées pour la Montérégie. Alors, les garçons, la courbe verte en haut, les filles en bas. Ça, là, c'est super intéressant parce qu'il y a toutes sortes d'affaires dans ce graphique-là. En fait, ce graphique-là nous amène où on ne pensait pas aller. C'est-à-dire, on a une grosse surprise pour nos garçons et qu'ils partent à 26 % de jeunes qui sont actifs. Donc, oui. Et ça monte jusqu'à 40 % à leur sortie du secondaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.